Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. اليوم لدينا حل تمارين ضبط الأنشطة السنة الخامسة ابتدائي الصفحة 8 9 والصفحة 10. إذا فلنبدأ على بركة الله. لدينا هنا je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Je regarde l'image puis je lis. أنظر الصورة ثم أقرأ. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Sur l'image, on voit une gazelle. N'aoud ila annas. Un animal sauvage. Hayawan berri. La gazelle est un animal délicat. Al gazelle hiya hayawan va'if. Elle se nourrit de plantes. Hiya tatagadha ala al nabatat. D'herbes, al hachaïch. De feuilles, al awraq. Elle est rapide. Hiya سريعه. Lorsqu'elle sent le danger, عندما تشعر بي او تحس بالخطر, elle bondit sur place, تقفز بسرعه. Elle a des pattes fines, لديها اطراف رقيقه, et une queue noire, وذيل اسود. Le ventre est blanc, البطن ابيض. Le poil est marron sur le dos. شعرها بني على الظهر. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Une bande noire, يعني شريط أسود, sépare, يفصل بين le ventre, البطن, et le dos, الظهر. Les sabots sont pointus. Les sabots, يعني حوافرها, sont pointus, حادة. Sa petite tête, رأسها الصغير, porte des cornes noires. يحمل قرونا سوداء. Donc, عيد القراءة بسرعة. Un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Elle est rapide. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc. Le poil est marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. Voilà. Je relis puis j'écris vrai ou faux. La gazelle est un animal délicat. Donc, la gazelle est un animal délicat. Donc, on dit juste. Donc, c'est vrai. Elle se nourrit de pâtes. Qu'est-ce qu'on a dans le texte? Elle se nourrit de plantes, d'herbes et de feuilles. Donc, on dit que c'est faux. Elle a une queue noire. Elle a une queue noire. Elle a des pattes fines et une queue noire. Donc, c'est juste, c'est vrai. Elle a une grande tête. Sa petite tête. Donc, c'est faux. Sa tête est petite. Elle est grande. Faux. Elle n'est pas rapide. Elle est rapide. Elle est rapide. Lakin huna fi ljumla ladayna elle n'est pas rapide. Donc ici on a une phrase négative, yani tenfi ljumla l'oula. Donc c'est faux. La gazelle est rapide. D'accord? Huna ladayna n'est pas rapide. C'est l'aks. Donc naqulu bi an hadhihi ljumla faux, khati'a. Alan je regarde l'image, je trouve la phrase du texte. انظروا الى الصوره واجد الجمله في النص. lorsqu'elle عندما في النص. lorsqu'elle sent le danger, donc نكمل الجمله. lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. لان على التلميذ ان يكمل كتابه هذه الجمله. lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. ننتقل الان الى الصفحه. لا
La gazelle est-elle un animal sauvage ou domestique? Je voulais le donner sous elle. La gazelle est-elle un animal sauvage ou domestique? Hel el gazela, hayawan berri ou elif? Donc, نقول la gazelle est un animal sauvage. D'accord? Then el gazela هي حيوان تعيش في البراري وليس في المنزل مع الإنسان. Est un animal sauvage. J'entoure de quoi se nourrit la gazelle dans le texte. يعني أحيطه j'entoure. De quoi se nourrit على ماذا تتغذى الغزالة dans le texte في النص. Donc لدينا قلنا les feuilles. Les plantes, نباتات et l'herbe, الحشيش. هنا j'écris les mots du texte sous les images. نكتبو الكلمات donc في النص ماذا لدينا؟ نعود أولا إلى النص. لدينا la gazelle se nourrit de plantes يعني النباتات, d'herbe الحشائش, les feuilles الأوراق. اطلبوا منا بأن نحيطها. On va les entourer. D'accord? Les feuilles d'herbe, les plantes, l'herbe et les feuilles. ثم اطلبوا منا أن نكتب. J'écris les mots du texte sous les images. نكتب أسماءها تحت الصور. ثم je barre l'intrus. أشطب الداخل يعني الكلمة الداخلة. هنا لدينا le pain هي الكلمة الداخلة. التمرين الموالي je donne un titre au texte يعني أعطي عنوانا للنص. هنا ماذا لدينا؟ النص عنوانه un animal sauvage. دكور؟ هنا لدينا عنوان النص. قلنا بأنه سي le titre du texte. عنوان le titre du texte. Le texte c'est النص. Le titre هو العنوان. المطلوب هنا هو إعطاء عنوان للنص. العنوان الذي لدينا هنا هو an animal sauvage, حيوان بري. إذن نختار عنوان آخر وهو ببساطة ماذا نتحدث في النص. Très bien, نتحدث عن la gazelle. Donc le titre du texte c'est La gazelle. بكل بساطة. نواصل الآن مع الصفحة 10. La page 10. J'entoure les animaux qui vivent dans le désert. J'entoure les animaux. يعني أحيط على الحيوانات التي تعيش في le désert, الصحراء. لدينا هنا le chat du désert. لم يقل لنا le chat لأن le chat الذي هو القط هو حيوان أليف. C'est un animal domestique. لكن هنا لدينا le chat du désert يعني قط الصحراء. Donc اسمه يعبر عن ذلك. C'est un chat qui vit dans le désert. J'entoure. D'accord? المطلوب هو إحاطة الحيوان الذي يعيش في الصحراء. Donc le chat du désert vit, يعيش dans le désert. Le chameau. C'est un animal qui vit dans le désert. J'entoure. Le guépard du désert, نفس الشيء, اسمه يعبر عن ذلك بأنه حيوان يعيش في الصحراء, le désert. Donc le guépard du désert vit dans le désert, يعيش في الصحراء. الآن l'ours, الدب, هل يعيش في الصحراء؟ Non, l'ours ne vit pas dans le désert. La vache ne vit pas dans le désert. Le chien ne vit pas dans le désert. Le serpent. الثعبان. Très bien, لدينا ثعابين تعيش في الصحراء. Donc le serpent vit dans le désert. Le fennec, نفس الشيء, vit dans le désert. أخيرا le dromadaire. Le dromadaire كذلك vit dans le désert, يعيش في الصحراء. التمرين الموالي je classe les animaux dans le tableau. أصنف الحيوانات في الجدول. Donc قلنا les animaux sauvages هي le chat du désert, le chameau, le guépard du désert,
l'ours, le serpent, le fennec et le dromadaire. Les animaux domestiques, c'est la vache et le chien. Donc, la vache, c'est un animal domestique, حيوان أليف. Le chien, c'est un animal domestique, كذلك حيوان أليف. أما باقي الحيوانات فهي حيوانات متوحشة أو حيوانات برية, des animaux sauvages. Voilà. Donc, بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم, أن الفيديو قد نال إعجابكم. أشكركم على متابعتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه, والسلام عليكم.